La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre fenêtre sur le monde tous les matins, 7h10, les correspondants de la rédaction d'Europe 1 à travers la planète. Et nous démarrons en Hongrie ce matin avec Joël Le Pavou. Bonjour Joël. Bonjour Mathieu. Alors pour le gouvernement hongrois, c'est surprenant, hein, mais le coronavirus, c'est une aubaine. Tout à fait Mathieu. 5 ans après la crise des migrants, Viktor Orban profite du coronavirus pour monter à nouveau les Hongrois contre l'un de ses boucs émissaires favoris, accusé ni plus ni moins de véhiculer la maladie. Refoulement des personnes venant d'Italie, d'Iran, de Chine et de Corée du Sud, excepté les citoyens magyars, suspension des dossiers de visa pour les Iraniens, blocage des demandes d'asile à la frontière serbe, le dirigeant illibéral barricade son pays face aux dangers provenant forcément de l'étranger. Les déclarations d'Orban s'insèrent parfaitement dans le récit gouvernemental présentant l'épidémie comme un péril extérieur, observe le site d'opposition 24.hu. La sécurité et la santé des Hongrois sont en jeu, répondent les médias pro-pouvoir approuvant la fermeté de l'exécutif. Orban, le rempart de l'Europe forteresse, peut dire merci au coronavirus. Merci Joël Le Pavou.